Alors après mon sport, vous voyez, je suis là justement, j'ai constaté qu'il y a les enfants de la rue. Je vais expliquer. Voilà. Tu peux descendre, venez. Voilà, tiens. C'est tout. Après ce mot. Merci beaucoup. À Watkins. Alors, comment vous appelez? Hein? Merci. Comment t'appelles? Il est pratiquement 6 heures. 6 heures. Tu n'as pas lavé ta main? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Vous demandez pourquoi ils ne vont pas à l'école. Tu veux marier en bas qu'il n'y a pas l'école? Hein? Et dis, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mais tes parents sont où? Il faut ne pas veiller. Hein? Où est-ce que ça y est en Côte d'Ivoire? Et ton papa est en Côte d'Ivoire et toi tu fous pas ici? Il y a d'autres qui vont venir de France. Oui, mais c'est dangereux pour l'Afrique. Si on parle de quoi? C'est dangereux pour l'Afrique. Ils sont. Hein? Ils sont la même chose. Tu vas à l'école? Tu vas à l'école? Tu vas? Mais l'école est gâtée, tu peux pas trouver d'autres choses à faire. C'est quoi tu veux faire dans la vie? Quel travail? La menuiserie, là, on va apprendre, ou bien? Oui. Ah, mais donc on n'a pas besoin de te donner. C'est un métier, si tu veux aller apprendre. Tu vas apprendre, c'est pas un travail où... Mais toi, tu as quel métier? T'es tailleur. C'est ça? Il faut t'installer. Non, c'est pas une question d'argent. Non, c'est une question de volonté. Il faut vouloir d'abord pour qu'on t'installe. La rue, là, ça ne peut rien vous apporter. Tu comprends? Moi, je ne vous en veux pas. Hein. Chacun son problème, chacun sait pourquoi il est ici. Ce n'est pas à moi de venir vous juger. Mais j'ai mal de voir ces enfants comme ça dans la rue. Hein? Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier. Voilà. Mercredi, je crois mercredi 6 janvier. Mercredi 6 janvier, beaucoup de gens vont à l'école. Ici, les gens vont à l'école. Et puis vous, vous vous trouvez dans la rue, mais c'est pas bon. Vous devez même votre avenir. Viens. Toi, tu prends de la drogue. Non. Arrête tes yeux, c'est fatigué. Qui t'a blessé ici? Qui t'a blessé? Hein? Alors, tu peux m'acheter de l'eau pour me donner? Tu peux? Tu vas acheter et puis comme ça, toi-même je vais te donner aussi. Tiens. Hein? Tu manges pas? Non. Tu n'as pas faim? Avant, tu me regardes. Alors, il y a de l'eau là-bas, non? Oui. Il y a froid à coca, il y a de l'eau. Oui. Tiens. Je me goûte. Où c'est? C'était comme ça, c'est moi. Ouais, c'est ça, là. Ouais, dans le. Alors, tu vas acheter. Hein? Non. Il ne faut pas prendre mon argent. Non, pas mon argent. Il faut prendre quoi? Canette. Oui. 1, 2, 3, 4. 4, 5 ou 3. Voilà. Canette. Canette. Coca. Alors, il faut partir à l'école, d'accord? Hein? Si vous ne partez pas à l'école, comment tu t'appelles? Il te lave, ça fait combien de temps? Demande-lui, depuis quand il s'est passé? Tu vois, c'est quoi, mais là, vous Nindal. Nindal est à la boule. Il dit combien? Lundi, là. Quel lundi passé, là? Toi, ça fait un an que tu n'as pas lavé. Cadet. Bon. Voilà l'école. Hein? Ne partez pas à l'école, c'est pas bon.
faut pas aller prendre drogue. Hein. Là, tu mets l'argent derrière. Alors, et ça, avec ça, c'est pas bon pour l'Afrique. Les enfants doivent aller à l'école. Ça, c'est vrai. Normalement, un enfant ne doit pas se trouver dans la rue. Il faudrait que nos dirigeants se battent pour que ces enfants-là sortent de la rue. Il faut les approcher, il faut les écouter. Il y a quelque part quelque chose qui a fait qu'ils sont dans la rue. Moi, j'ai la fondation, je m'occupe des enfants de la rue. C'est mon travail partout en Afrique. Mais avec ça, l'Afrique a un problème. Voilà, l'Afrique a un problème. Il faut sauver ses enfants. Parce que demain, si cela ne travaille pas d'ici 20 ans, ils vont devenir des djihadistes. Et ça, c'est la vérité. C'est le vrai problème demain du Burkina. Il faut toucher du doigt le vrai problème. Descendre dans la rue et parler avec eux. Bon, les gars, allez à l'école, je te donne l'année. Hein. Voilà. Voilà, voici mes amis. Hein, ils ont mangé. Comment tu t'appelles? Abdou. Abdou, et toi? Moi, c'est Léa Nwende Eligi. Oui, et toi? Je suis venu soutenir votre livre. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Et toi? Hello, Kadel. Kadel, il est déjà die, il est saoulé. Et toi? Kadel est saoulé, là. Et toi? Un soumien. Voilà. Voilà, donc voici un peu le vrai danger. Hein, le vrai danger de l'Afrique. Il faut soutenir ses enfants. Voilà, il faut les envoyer à l'école. Ils ont besoin de reprendre le chemin de l'école. Et si nous ne faisons rien, l'Afrique va sombrer. Parce que ceux-là, si on peut les récupérer, nous faire d'eux des cas de demain. C'est quoi dans le sac? Un centre de réincarnation sociale. Alors, bonne journée à vous et bon courage. Hein. Merci.